Ludovic, de retour pour un nouveau Welcome, bienvenue en Flandre belge. Welcome, et aujourd'hui on se trouve à la ville de Ypres. Juste une chose, Ypres, pendant la Première Guerre mondiale, a été entièrement détruite. Donc tous les bâtiments, tout ce que vous allez voir aujourd'hui pendant le reportage, c'est de la reconstruction. Il faut y penser. Ypres a eu son époque française et c'est pendant cette époque française que les remparts ont été aménagés par Monsieur Vauban, que vous connaissez sûrement. Donc si vous venez à Ypres, venez surtout voir les remparts, vous promener, c'est génial. Je me trouve ici au plein cœur, au plein centre de Ypres médiévale. Ici, sous mes pieds, la rivière, le Ypres qui va vers l'Isère. Et par l'Isère, ils amenaient la laine qui venait de l'Angleterre. La laine était stockée ici à gauche et à droite. Et les bateaux y repartaient vers la mer du Nord avec les draps de Ypres pour les emmener partout en Europe. Nous voici au marché de Noël, devant la halle aux draps qui se trouve ici derrière nous. Et dans la halle, il y avait donc toute cette laine. Entre la laine, il y avait des petits souris. Pour éviter les souris, qu'est-ce qu'on fait? On prend des chats. Et au bout d'un temps, il y avait trop de chats. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait les chats en haut de cette tour pour les jeter par terre. On fait toujours ça avec les chats. Aujourd'hui, ce sont des chats de peluche. Et il faut venir au mois de mai à la fête du chat à Ypres. Vous voulez vraiment connaître Ypres comme nous, on veut la connaître? Ben, il faut commencer ici. Un endroit génial, tout nouveau, c'est le Ypres Museum. Et on a rendez-vous avec Sandrine du Ypres Museum ici. Allons-y! Nous voici à l'intérieur du tout nouveau musée d'Ypres, Ypres Museum, qui est ouvert depuis le 1er juillet 2018. Et je suis là avec Sandrine Korowitz, qui est la coordinatrice de ce musée. Sandrine, vertel ons alles over het Ypres Museum. Het Ypres Museum is inderdaad een volledig nieuw museum dat 11 eeuwen Ypresse geschiedenis brengt, maar op een hele innovatieve, heel moderne en heel leuke manier vooral. Dit is geen gewoon museum. Dit is een bijzonder museum. Het is inderdaad een heel bijzonder museum, een heel kleurrijk museum. Een museum waar ook echt wel te lachen valt als u hier en daar is stilstaat bij een aantal animatiefilmpjes. Maar wij brengen toch ook wel een heel serieus verhaal. Het verhaal van een heel veerkrachtige stad die een heel zware geschiedenis heeft gekend, maar die er dus altijd terug bovenop is gekomen. We doen dat aan de hand van een reuzengrote maquette die u hier achter ons ziet. We vertellen daar aan de hand van 5 thema's het spannende verhaal van het middeleeuwse Ypres. En daarna gaan we ook gaan focussen over Ypres als vestingstad, waarbij Vauban heel belangrijk is uiteraard. Vauban, de man van de vestingen van Ypres. En na Vauban, dan is er nog altijd Ypres. Dan is er nog altijd Ypres en dan is er zelfs Ypres met 3 heel sterke vrouwen. We vertellen het verhaal van de 18e en 19e eeuw aan de hand van 3 vrouwen. Clara, die vertelt over hoe belangrijk de Valenciennekant wel was voor Ypres. Louise de Hem, een van de eerste vrouwelijke kunstenaressen die in de 19e eeuw in Parijs haar studies mocht doen. En Leontine Antonie Permeke, een van de eerste vrouwelijke fotografen die wij in Ypres kenden. En kunnen we ook iets vinden over Ypres vandaag?
Heel zeker. De laatste zaal hebben we de toepasselijke titel Veerkracht gegeven. En dat toont eigenlijk hoe Ieper in de 20e eeuw er weer volledig bovenop is gekomen. We tonen jullie de mooiste plekjes van Ieper en van de regio. We geven jullie belangrijke Ieperlingen mee. Je kan er zelfs Iepers leren. Iepers voor beginners kan er gestudeerd worden. En wij tonen ook waar je overal in de wereld kleine stukjes Ieper kan terugvinden. Fantastisch, dankjewel. On y va, on va à la découverte du musée d'Ypres, het nieuwe Ypres Museum. C'est vraiment un musée génial ici. On s'amuse comme les fous. Salut, je retourne dans les égouts de Ypres. On se trouve ici au milieu de la maquette de la ville de Ypres, la Ypres médiévale. Et ça fait du bruit, tu sais, c'est pas comme dans tous les musées où c'est silencieux. Ici, il y a du bruit. Il y a plein de choses à voir. On peut regarder dans les maisons, on peut regarder, il y a plein de trucs qui se passent là-bas à l'intérieur. Vous avez reçu un petit badge qui est mis en français avec une patte de chat. Et avec ce badge-là, vous pouvez activer des trucs. Et puis vous pouvez faire des trucs sur les écrans. Ypres, ville médiévale, ville très importante. Une des villes les plus importantes au nord des Alpes, avec Gand, Bruges et Ypres, les trois ensemble. Et tout ça à cause, ou grâce à, la laine. La laine qui nous venait d'Angleterre. La bonne laine. Et les gens d'Ypres utilisaient cette laine pour en faire des draps. De draps de première qualité, pas les draps qui grattent partout, hein, mais des draps bien doux, comme tous les doudous. Les gens, ils adoraient ça, et c'était ça qui faisait la qualité des draps d'Ypres. Est-ce que vous portez un petit pin sur votre pull, sur votre cravate, hein? À l'époque médiévale, on faisait ça aussi, dans les prairies. Inondés, pas loin d'ici, ils ont retrouvé plein de pins médiévales avec votre saint favori, avec votre profession, avec vos animaux préférés. Il y a même une version un peu érotique qui se trouve là-bas derrière. Ypres, ville médiévale, comme toutes les villes médiévales, ville de peste. La mort noire de Zwarte Dood. Heureusement qu'il y avait les soignants qui nous aidaient avec des vêtements comme ça, tous en cire. En haut, un grand nez avec des herbes dedans. Les herbes, ça faisait penser qu'ils n'allaient pas attraper la maladie, l'odeur de la peste. C'était leur protection.